natoka mshamba wakanifyoi. Nikabakia tu kwetu na sijuagi siniko na mimba. Sasa nilijuagi siniko na mimba. Watu walinichukia, marafiki yangu wa mingi. Wa mama wa mingi kunita mbaya. Pendant l'écoute, elle va se décharger son histoire quoi. Et nous, on les réconforte là, on lui montre comme c'est une chose qui est très difficile à supporter. Et on va l'aider vraiment, okay? Ça va rester entre nous, c'est confidentiel. Ça ne fait pas que faire psy. Je suis là avec maman, avec papa. Ça ne fait pas que je suis là, parce que je suis là, 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 je suis là. La personne qui est affectée par les différentes violations nécessite une réponse holistique. Les problèmes qui sont psychologiques affectent directement aussi les somatiques. C'est pourquoi les trois composantes de l'aide dont j'ai cité bien avant, ADDFF, JDFF et PSI, travaillent en collaboration pour essayer de soulager la personne. J'étais en train de faire une technique qui soulage un peu les victimes de violences sexuelles. C'était la technique de réflexologie. Et surtout pour les victimes qui ont des signes de céphalée et les somnies. Attaquer nous, femmes, on est traumatisés d'abord quand on attend les récits de ces femmes-là qui ont subi de ces violences-là. On a vraiment des blessures, on a l'empathie, quoi. On se met dans la peau de ces victimes. C'est pour cette raison qu'on les écoute.